Bon, bah voilà, dernière recherche, je suis retourné, enfin, je suis venu voir une place de grise qui est normalement précoce pour voir si elle pousse. Eh ben oui. Bon, bah voilà la fin de la cueillette, hein. Donc je vais vous montrer la petite grise que j'ai pas eu le temps de finir de filmer. Donc là, voilà la petite grise. Bon, je l'ai cueillie parce qu'il fallait pas, fallait vous la montrer parce que la vidéo c'était mal fini. Donc voilà, il y en a 23. Bon, petite cueillette, mais bon, c'est déjà pas trop mal. Ça démarre. Maintenant, je vais passer à la version grâce à ceci pour les sécher, n'est-ce pas? Donc pour cela, je vais les couper en deux et je vais les sécher. Donc je vous montrerai le panier une fois que j'aurai coupé en deux les morilles. Donc voilà. Je vais essayer de la couper en deux. C'est pas facile de filmer en même temps. Voilà. Voilà. Donc coupée comme ça, je la mets dans mon panier. Et après, j'irai la mettre là-bas sur la machine. Voilà, je vous montrerai le panier une fois qu'il est fini. Voilà. Elles seront bien mises, retournées, un peu nettoyées. Donc, quand je vais les mettre à sécher, eh ben, les derniers petits grains qui restent dans les alvéoles vont tomber. Je vais les mettre dans le déshydratateur. Je vais y arriver. Et c'est parti pour quelques heures. Voilà. Allez, eh ben, ce fut une belle petite cueillette sympathique. Maintenant, on espère que le printemps va arriver correctement avec un peu d'eau parce que c'est sec dans tous les coins. Allez, je vous salue les petits gars et bonne cueillette à vous et à la prochaine. Salut!